On le savait, ils jouent décomplexés, ils jouent de partout. Ils se sont trouvés des espaces et du coup, des fois, on courait un peu derrière eux. Mais bon, on a su les recentrer et restructurer le jeu et marquer ce dernier essai qui nous permet d'avoir 5 points. Un CEO un peu qu'il a des visages. On a très bien commencé les matchs, on a fait un très bon temps de match. Ben, première minute est très bonne, on a marqué 3 essais, on est bien dans les matchs. Et après, je ne sais pas pourquoi, mais on lâche, on baisse un peu notre agressivité, la vitesse, les impacts. Donc, forcément, quand une équipe de Perpignan qui joue bien, qui joue beaucoup, on se met en danger jusqu'à la fin de match. Ouais, je n'étais pas content à la mi-temps, parce que même si on a fait 25 bonnes premières minutes, après on a perdu le fil. Puis on a perdu le fil dans ce qu'on voulait, quoi. On faisait des choses qui ne correspondaient pas. Fait qu'on n'avait pas prévu, quoi, ou pas de suite. Hein. Voilà, donc. Mais bon, en faisant en sorte de rester humble, modeste. Hein. J'aime les gens modestes, moi. Le rugby, il faut avoir des gens modestes. Hein. Donc soyons modestes, continuons à bosser, cherchons à progresser chaque semaine et on continuera d'avancer. Voilà. C'est une équipe qui nous a posé problème. Hein. On a fait ce qu'il fallait sur les 20 premières minutes. Et puis on a eu un trou d'air. Ils ont réussi à. Ben, vous savez, à être dangereux, à envoyer les ballons larges et on a pris une belle soufflante à la mi-temps qui nous a fait du bien aussi et le fait d'aller chercher ce bonus dans les derniers instants montre aussi qu'on n'a pas lâché, qu'on a du caractère et c'est un point important quand même pour la suite.